Journée mercredi 22 juin 2022, ya, BIM, qui c'est Brigade d'intervention médicale, réalisé une journée la soignée, ou bien ça nous était capable de clinique mobile dans la prison civile au Kaila. Situation prison en vient détériorer suite à tremblement de terre 14 d'août 2021. Ça qui t'a vint la cause, prisonnier a tombé malade par pile et par paquet. Entre des responsables BIM yo dans le département, pour plus d'explications. Non, pas c'est docteur Youyou. Donc moi c'est médecin et c'est moi qui est responsable BIM dans le sud. BIM qui c'est Brigade d'intervention médicale. Donc son organisation qui a but non lucratif qui basé dans le social. Nous-mêmes nous avons permission aller côté qui plus loin. Donc pour nous aller à l'ouest monde qui vraiment en besoin. Mission nous c'est aller dans le monde. Mission nous c'est aller côté que soins pas arrivé. Donc nous monde ça pour aller. Je dis que nous sommes dans la prison civile de Kaila. Côté que nous, après le constat que nous avons fait, nous avons vu qu'il y a un pile prisonnier, la majorité est malade, surtout maladie peau, surtout nous avons des problèmes d'estomac. Mais nous-mêmes, en tant qu'organisation qui a une permission, qui aide les gens qui sont plus ou moins vulnérables, donc je dis que nous sommes passés dans la prison civile. Là. Donc nous avons vu un prisonnier, ça, nous avons apporté soin, nous avons des médicaments, consulter, analyser. Donc, parce que nous-mêmes, ça qui fait fonctionner nous, c'est lorsque nous avons aidé les gens qui vraiment ont besoin. Donc, c'est dans l'optique ça, je dis là, nous sommes en prison civile là, donc nous avons aidé les prisonniers. Activité si la réalisée, c'est après BIM, tu as fini une visite dans la prison civile au Kaila. Et ensuite, tu as fini tendre SOS que le commissaire gouvernement Ronald Richemont t'a lancé à la population sur 10 là, en façon pour être capable. Aider prisonniers justement qui en dedans prison civile au Kaila. Ça qui était attiré attention nous plus. Là nous t'es passé dans prison, nous t'es ouais, jeune prisonnier ouais, nous t'es débarqué comme ça. Et ensuite, nous devinons que le commissaire gouvernement t'es venu laguer un SOS pour prison. Donc ça c'est fait que nous-mêmes nous t'es encouragé et que nous t'es intensifié le travail là. Donc c'est parce que nous t'es passé, nous t'es venu bah prisonnier soins, bah aux médicaments. Dans mesure que nous capables. Posez vos questions pour être capable de demander qui côté au jeune financement pour être capable de réaliser activité ça. Docteur Youyou pral ban nous plus de détails de réalisation activité si là. Généralement nous c'est une jeune organisation et c'est des monde qui de bon gré. C'est des monde qui gagnent bonne volonté qui participent ensemble avec nous qui aident nous à réaliser travail ça. Parce que en Haïti tout ça que on fait depuis un monde li pa wèl gen un aspect politique là-dedans, li pa entre là-dedans. Mais nous en tant que jeunes, nous pas ka réduire tout ça que nous gagnons, nous pas ka réduire toute ressource pays, nous pas ka réduire tout jeune yo, nous pas ka réduire tout monde à la politique. Nous c'est humain, nous fait social, d'ailleurs nous sommes humanistes. Donc c'est des monde que nous demandons, c'est des monde que les citoyens paisibles et honnêtes nous demandent qui permettent nous capable réaliser travail ça. Donc, je ne vais pas citer nos pièces, mais les gens qui ont aidé nous, je pense que nous là, nous avons suivi le travail que nous avons fait. Docteur Feli Mafredlin allait plus loin pour le dire, ensemble de monde qui là, c'est bénévolat que a fait. En façon pour capable aider les gens qui sont plus bas, en façon pour capable aider les gens qui plus n'ont besoin. Yo. Moi, c'est Feli Mafredlin, médecin, et moi, c'est directeur médical BIM Sud. Donc, j'en sors de là. Nous tous qui là, nous fait bénévolat. C'est des gens qui baillent yo corps et âme pour nous capable mener activité. Nous pas gagné un goût pour nous bailler yo, sauf que yo choisi venir avec nous pour nous capable aider les gens qui vraiment dans le besoin. Nous œuvrons dans le social et puis nous avons pour objectif c'est aller côté qui plus loin et puis aller chercher les gens qui vraiment dans le besoin. Organisation si là prêt pour accompagner tout le monde qui vraiment dans le besoin. Yo prêt pour porter support yo à tout le monde qui est vulnérable, entendez-vous pour plus d'explications. Nous-mêmes, BIM, nous n'avons pas parti pris. Nous-mêmes, dans BIM, ce qui intéresse nous, c'est le monde qui a besoin. Nous ne pas tenir compte de religion, nous ne pas tenir compte de race, nous ne pas tenir compte de statut social, nous ne pas tenir compte de qui est sorti. Ça va intéresser nous. Nous-mêmes, dans BIM, depuis ce côté, nous avons besoin, depuis ce côté, nous avons besoin de soins, nous sommes disponibles.
pour nous aller pour nous dire ça. Parce que nous avons un groupe de monde que nous ciblons. Nous ciblons tout le monde. Depuis que son monde qui est malade, son monde qui a besoin. Nous pas de problème avec un monde qui veut faire une activité quelconque dans la zone côté sortie ou bien dans n'importe zone. Depuis que nous avons vraiment besoin, nous même nous là. Mais sauf que j'en sorti là, nous à politique. Si nous avons cette affaire politique, nous ne sommes pas là. Mais depuis ce monde qui vraiment veut agir dans le social, qui croit dans l'humanité, nous pouvons accompagner. Généralement, tout le monde qui est là, et nous tous fait partie de ce staff-là. BIM, je me dis, est composé d'infirmières, médecins, des techniciens en laboratoire, nous avons un travail social et un psychologue. Tout le monde qui est là, nous tous fait partie de ce staff-là. C'est des jeunes qui gagnent et fougue. C'est des jeunes qui remettent le travail, qui mettent tête ensemble, qui font l'organisation ça. Nous tous qui là, ce n'est pas des gens que nous avons qui forcent à venir. Mais c'est des gens de bonne volonté, c'est des gens de bonne volonté, c'est des gens de bon gré qui choisissent de venir pour nous capables de faire le travail là, pour nous capables de permettre la population de jouer un soin. Parce que un bon groupe de gens que nous considérons comme gens qui marginalisés, c'est des gens qui vont jouer un soin. Mais nous-mêmes, en tant que jeunes, nous sommes contents de sortir, jeunes qui remettent le travail. Les jeunes qui remet et aider les affaires sociales, nous groupons nous ensemble pour nous bailler les populations en service et surtout le monde pour des questions à parler. Tout le monde qui est là, nous n'avons pas de monde que le monde voit nous. Mais c'est tout le monde qui fait partie de l'organisation qui s'est BIM, Brigade d'intervention médicale.